C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les marchés? Les rendements du Trésor, donc, qui augmentent légèrement alors que les investisseurs examinent les perspectives économiques. Donc, les investisseurs sont en train de regarder et de, voilà, attentivement ce qui se passe, les déclarations des membres de la Fed, tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Les rendements qui montent. Donc, ça, c'est pas très bon. En général, quand les rendements du Trésor sont en train de monter à la hausse, ça favorise le dollar. C'est qu'il y a, en fait, le sentiment n'est pas très optimiste. Donc là, on va voir. En fait, c'est le fait que voilà, les données récentes suggèrent que les taux vont rester élevés plus longtemps. Ça pourrait provoquer un crash des marchés. Le fait d'augmenter les taux, ça favorise le dollar. Et donc là, les rendements du Trésor, eux, sont en train d'augmenter. Donc, pour le moment, on est dans une phase de prudence sur les marchés. Mais moi, je vais essayer d'aller un peu plus loin sur les perspectives et voir même en 2024. Il faut toujours essayer d'anticiper. Et là, il y a un article où je suis encore d'accord. Ces derniers jours-là, pour le moment, Investing, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais on dirait qu'ils partent dans le bon sens là. Alors, le marché boursier plongera de 27% lorsque l'économie basculera. Donc, 27%, je ne sais pas si le marché va plonger d'autant, mais ce qui est sûr, c'est que les marchés risquent de corriger. Pourquoi? Comme ils le disent ici, les marchés boursiers pourraient s'effondrer de plus de 25% l'année prochaine en raison des taux d'intérêt plus élevés et plus longs surtout. Moi, c'est surtout le plus long qui m'intéresse. Je ne pense pas qu'on va encore augmenter les taux. L'inflation est en train de baisser. Donc, ils augmentent les taux pour casser la croissance, donc pour stopper l'inflation, pour faire baisser l'inflation. Là, l'inflation a bien diminué. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire qu'ils augmentent les taux plus que ça. Aujourd'hui, on a eu des discours de plusieurs membres de la Fed. Certains disent qu'ils prévoient encore d'augmenter. Certains disent qu'ils vont même les baisser. Voilà. Moi, de ce que je vois, c'est plutôt qu'ils vont les baisser. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. La bourse, les cryptos, l'or, tout ça. Et ça, c'est pas bon pour le dollar. Le fait qu'ils vont être amenés à rebaisser les taux. Mais ça arrivait plus tard. Là, ce qu'on voit, c'est que des taux plus longs, c'est vrai que ça va peser sur l'activité économique. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que on a une inflation forte, certes, aux États-Unis, mais que l'économie américaine est plutôt solide et les chiffres sont plutôt assez forts. Mais à force d'avoir des taux qui sont à des niveaux très très élevés comme ça, en fait, ça finit par casser la croissance et vraiment par casser l'économie, même les chiffres. Pour le moment, ça s'est pas fait ressentir, mais au bout d'un moment, à force, l'économie va la ressentir. Et je pense d'ici février, mars par là. Vous voyez? Donc, bien sûr, quand ça va se faire ressentir sur l'économie, bah, les chiffres des entreprises vont être impactés. Et donc, les actions en bourse vont chuter. Et c'est pour ça qu'ils prévoient une baisse ici marquée de 27%. Donc, on avait eu de la fébrilité au niveau des banques. Ici, on voit, là, c'est en ce moment les prix de l'immobilier US. Donc, l'immobilier aussi, ça chute bien. Mais en dehors de l'immobilier, le reste est plutôt solide. Voilà. Mais on voit, les derniers chiffres ont montré que le chômage augmente aux États-Unis. Tout part dans le sens d'une récession. Et quand il y a une récession, en général, la croissance, elle diminue fortement. L'économie américaine ralentit fortement. Et en général, bah, ça impacte sur les résultats des entreprises. Et c'est pour ça que la bourse baisse. Donc ça va arriver. Et donc ici, pour l'immobilier, en tout cas, on a les prix de l'immobilier US qui viennent de s'effondrer. Une baisse massive de 18% sur un an. Donc on voit que l'immobilier, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Europe, là, ça, c'est clairement impacté. Mais le reste, ce n'est pas encore touché. Mais on a des signes. On a des signes que ça chute fortement. Qui dit chute, crash et tout ça, dit opportunité. Donc, il va falloir surveiller maintenant et se pencher sur le marché de l'immobilier. On va commencer, pas maintenant, mais dans quelques mois, là, à avoir peut-être des prix qui vont être intéressants pour l'achat, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, faudra surveiller ça. Mais moi, ce que je veux souligner, c'est qu'à l'horizon, là, peut-être en 2024, vers peut-être mars, avril, on va clairement avoir un ralentissement. Parce qu'en fait, on va être en récession début 2024. Et donc, voilà, on va clairement avoir une baisse des marchés. Et ensuite, peut-être qu'il y aurait même une déflation. C'est-à-dire que la croissance américaine va avoir du mal à redécoller. Et donc, en fait, pour moi, toute l'année 2024, début 2024, va être mauvaise pour la bourse. Et il est temps que la bourse corrige, là, les marchés américains. Et on va stagner comme ça pendant peut-être jusqu'à l'été, voire la fin de l'année, avant une explosion peut-être à nouveau, là, quand ils vont commencer à baisser les taux.
et surtout à recommencer la planche à billets où ils n'ont pas le choix de le faire. Donc on verra ça. Wells Fargo, eux, dévoile, c'est une banque américaine, hein, dévoile son objectif pour 2024 et met en garde contre un premier semestre vraiment, vraiment bâclé pour les actions. Donc c'est, ça va dans le sens de ce que je raconte. Donc là, je sélectionne des articles qui font la une des actualités aux États-Unis, là, sur la CNBC, qui vont dans le sens de ce qu'on imagine tous à peu près. Donc voilà, hein, c'est, ça parle de ce que je dis à peu près. Où est-ce que c'est marqué ? Harvey a demandé à se préparer à un marché, commerçant plus, marché de commerçants plutôt qu'à une situation d'achat et de conservation, tout ça. Où est-ce qu'ils ont marqué ? Capital reste élevé, il est très difficile. Bon, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que ça va être voilà, vraiment bâclé au niveau des actions. Ça va vraiment se tasser, en fait, jusqu'à peut-être que les marchés vont finir par capituler pour que la Fed recommence à imprimer. Donc moi, je vais m'éloigner petit à petit des marchés boursiers pour aller de plus en plus all-in, mais plus dans une diversification sur les cryptos. Parce que le crypto, contrairement au marché boursier, on commence un nouveau cycle. Donc on verra ça, on surveillera tout ça. Une nouvelle intéressante, Shine, où vous connaissez la marque en ligne de vêtements là, qui vend toutes sortes de vêtements, tout ça, qui dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis. Alors que géant de la mode rapide cherche à résoudre les problèmes liés aux traverses forcées, au climat. Bon. Ils ont beaucoup de problèmes là par rapport au travail forcé et tout ça. Mais pour Shine, je pense que cette introduction en bourse va être un succès. En fait, Shine, la classe moyenne, les choses comme ça, acceptent de plus en plus de, les choses qui coûtent le moins cher possible. Et donc, toutes les enseignes, la Primark, Shine, c'est pas très cher. Voilà. Pour moi, dans les années à venir, ça va avoir à la cote. Au même titre que le Black Friday, les choses de promotion, les choses comme ça, les gens, au lieu de s'éduquer financièrement, de chercher, d'entreprendre, de chercher des alternatives, subissent, pour la plupart, hein, pour les 99% des gens, subissent et acceptent de baisser leurs standards et de consommer moins cher, de manger moins de viande, moins de, voilà, de choses et de vivre toujours dans des conditions plus difficiles. Et donc, ces choses-là, et même les magasins pour acheter de la nourriture pas chère ont de plus en plus la cote. Et je pense que Shine va avoir la cote et performera en bourse. Après, ce n'est pas une action technologique. Hein, et moi, je préfère les actions technologiques, c'est plus le futur. Mais je pense que Shine va bien performer par rapport au pouvoir d'achat qui diminue de plus en plus dans le monde, on va dire. Donc voilà, par rapport à ça. Comme je vous l'avais dit, hein, j'attendais ça. La Chine va débloquer 319 milliards de dollars d'obligations spéciales. C'est parti pour la planche à billets que je vous disais. La Chine a un temps d'avance sur les Américains au niveau de leur politique monétaire. Eux, ils ont déjà augmenté les taux depuis. Ils les ont déjà même rebaissés. Ils ont déjà battu l'inflation. Et eux, ils sont déjà en déflation. Donc, ils ont eu leur récession qui n'a même pas été une récession puisque les taux étaient maîtrisés en Chine. Mais en fait, ils sont en déflation, ils ont du mal à relancer la croissance. Donc, ils ont, on va dire, plusieurs mois d'avance sur la politique monétaire américaine. Eux, le problème des Chinois, c'est de relancer leur économie pour éviter de faire comme le Japon qui stagne depuis 20 ans. Et là, la Chine, voilà, va tricher comme la majorité des pays dans le monde, comme les maîtres américains. Eux, ils ressortent la planche à billets. Et ça va stimuler la croissance chinoise, stimuler les actions chinoises et les faire partir de plus en plus haut. Voilà, c'est pour ça que des actions comme NIO, les véhicules électriques chinoises ou Alibaba ou des choses comme ça risquent d'exploser à court terme. Parce que là, ils sont au plus bas, là, si vous allez sur la bourse. Donc voilà, c'est comme prévu, hein. C'est toujours un cycle. Et voilà. Et en parlant de Chine, on a le PDG de Binance qui est certes canadien, mais d'origine chinoise et qui est la cible justement des Américains en ce moment. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné par un juge à rester aux États-Unis avant sa condamnation à la prison. Donc là, on bascule sur la crypto, là, voilà, le marché de la crypto. Changpeng Zhao ne peut pas quitter les États-Unis. Le juge a décliné son intention. Il voulait rentrer à Dubaï où il y a sa femme et ses enfants. Et en fait, il l'empêche. Et moi, pour moi, ça va même plus loin que ça. Voilà. Changpeng Zhao devra rester aux États-Unis dans l'attente de sa condamnation. Il risque entre 18 mois et 10 ans de prison. Moi, je pense que les Américains vont tout faire pour le mettre en prison.
En fait, les Américains ont une dent contre lui depuis qu'il a éliminé un peu Sam Bankman-Fried, qu'il a fait couler FTX et un peu le côté américain là. Parce que Bankman-Fried, c'est une personne en même temps corrompue qui faisait des affaires avec les plus hautes instances de l'État et finançait le parti démocrate, les choses comme ça. Et Chiang Peng-Zhao a contribué à sa chute. Et en fait, les Américains veulent éliminer Chiang Peng-Zhao. Parce que Chiang Peng-Zhao, en dehors de ça, il reste milliardaire et c'est une personne de forte influence et surtout avec une très bonne image. En fait, d'un cas sérieux, même si là, il vient de reconnaître des faits. Bon, je pense que c'est plus pour protéger Binance, tout ça. Mais je pense que les Américains veulent l'éliminer. Je pense que peut-être BlackRock, tout ça, veille à ce qu'il soit coincé pour pas... Voilà. Parce que Binance, ça reste un gros acteur, même s'ils ont éjecté Binance des États-Unis. Binance, c'est une grosse part de marché. Et BlackRock aimerait récupérer tout ça, enfin, les Américains. Et donc, voilà. Ça se sent qu'ils font tout, en fait, pour... coffrer ces aides. Donc, on verra s'ils y arriveront ou pas. En tout cas, ces aides, aujourd'hui, quittent le conseil d'administration de Binance US. Hein. Donc, ces aides a décidé de quitter son poste de président du conseil d'administration. En fait, il n'a pas vraiment le choix. Les Américains sont en train de s'acharner sur lui, là. Les institutions américaines, tout ça. Et il n'a pas le choix que de se faire tout petit ou de sortir carrément. Là, ils l'ont radié, voilà, de tout ça. Donc, il y a eu le communiqué de Binance US qui lance tout ça, là. On verra ce qu'il adviendra de Binance US, sachant que le vrai Binance, la vraie branche de Binance, a été éjectée des États-Unis. Donc, on verra pour Binance, en tout cas. Ici, on a Arthur Ace, un millionnaire très réputé là, dans la cryptographie, là, qui dit que le traitement réservé à CZ et à Binance est absurde et ne fait que souligner le caractère arbitraire des sanctions infligées par l'État. Donc, voilà, fondateur de l'exchange BitMEX, Arthur Ace. Donc, voilà, il y a un acharnement hein, contre CZ. Et c'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas. Donc, pour les cryptos, ça se passe très bien avec Say Network. Il faut surveiller cette crypto, Say, qui surperforme là en ce moment. Donc, je ferai peut-être une vidéo dédiée, peut-être. Hein. On verra, mais Say performe en ce moment. Tout comme Luna. Luna qui reprend vie, hein, on va dire, vu que son USDT... son USTC, son stablecoin, sert de trading sur la plateforme Binance, tout ça. Il y a un engouement qui revient. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les marchés se reprennent. Hier, j'ai fait une vidéo pour vous dire de ne pas tomber dans le piège de la fausse baisse qu'il y avait hier. Et c'est tout ce qui s'est passé, c'est exactement dans le scénario que j'avais décrit hier, qu'on allait rebondir pour aller casser les 38K. Ce qu'on a fait actuellement, on est à plus de 38K. Bon, là, c'est un peu redescendu, mais on se maintient actuellement à plus de 38K. Et là, il nous faut certes des catalyseurs, mais pour moi, mon scénario, c'est qu'on va aller exploser les 40K et aller bien plus haut. Mon scénario, c'est plus 48K. Je vais vous montrer les charts et voilà, avant de corriger. Parce que là, après, il faut de la prise de bénéfice, tout ça. Mais pour moi, on doit y aller voilà, entre 42 et 48K. Et là, le Bitcoin... est très très fort. Hein. Vous voyez ici plus de 38K et les volumes autour de 20 milliards, très très solide. Voilà, maintenant il faut des catalyseurs certes, mais comme on s'approche de plus en plus des ETF Bitcoin Spot, des choses comme ça, la pression va aller de plus en plus haute sur le Bitcoin. Et donc voilà, le Bitcoin à 38K, donc les bulls sont très puissants, comme vous le voyez ici là. Donc ça, c'est le Bitcoin est très solide. Hein. Les investisseurs plus que jamais hold leur Bitcoin. Donc voilà, le prix à son plus haut quasiment était à 38 183. Donc excellente nouvelle pour le Bitcoin. Là, ceux qui ont shorté le Bitcoin, donc qui pariaient à la baisse avec des effets de levier, des choses comme ça, sont en train de se faire massacrer. Donc Bitcoin liquide à nouveau les shorts. Les shorts, c'est les gars qui shortent, qui parient à la baisse. Et donc sur le chart ici, on peut voir toute la liquidation des gens qui ont parié à la baisse, qui se sont fait liquider, donc qui ont perdu leur pari et qui ont perdu de l'argent réel. À force de parier à la baisse contre Bitcoin. Donc moi, c'était pas mon scénario. Moi, je vous ai dit, hein, mon scénario, on va plus haut. Et donc, pour l'instant, c'est mon scénario qui se fait, mais il peut tout se passer sur les cryptos. Mais là, pour moi, le Bitcoin est trop solide. On a eu l'évinction de CZ, par exemple. Rien ne s'est passé. Donc, il n'y a plus rien qui peut arrêter le Bitcoin, là, actuellement. Là. Donc, on verra, en tout cas. Ici, on a un célèbre trader qui dit, un chartiste plutôt, qui dit, je constate toujours que les tweets baissiers suscitent beaucoup d'engagement. Vous voyez, les tweets baissiers, tout de suite, ça marche parce que les gens ont peur. La majorité des gens n'osent pas investir par peur. Ah, ça va se retourner, je vais me faire avoir, des choses comme ça. Donc, quand les gens sont baissiers et parlent que ça va baisser,
tout de suite, il y a un grand intérêt pour eux. Les gens ne sont pas encore assez optimistes. Et ça, c'est vrai. Cela va aller beaucoup plus haut. Il faut être prêt. Donc, plutôt d'accord avec ce tweet-là. Là. Et donc, voilà. Regardez, les hommes, peut-être, peuvent dire des choses, mais les chiffres ne mentent pas. Les hommes peuvent mentir ou dire des conneries, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le Tether, vous savez, le plus célèbre des stablecoins, réplique le cours du dollar américain, qui ne fait que d'augmenter et qui continue sa phase haussière. Donc, qui dit minter du Tether, donc qui dit qu'il y a, plus, il y a des Tether qui sont de plus en plus émis, c'est-à-dire que le marché a besoin de stablecoins pour l'échanger contre les pairs crypto. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de Tether qui sont émis actuellement, et les cours montent, hein, vous voyez là, c'est qu'il y a une demande pour la crypto. Donc voilà, et s'il y a une demande pour la crypto et que les gens achètent, ça fait moins d'offres, ça fait plus de demandes que d'offres. Et donc les prix montent, c'est qu'une question de logique, vous voyez. Et donc voilà, tant que ça monte, bah, les cryptos eux aussi vont monter avec peut-être un temps de latence, mais ça va monter, vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. Ici, un chart qui est très intéressant par rapport au Bitcoin, ici là. Regardez, par le passé, attendez, je vais vous le remettre ici. Par le passé de 2016, on va dire à 2020 à peu près, on avait retesté trois fois les, je sais plus, c'était quoi ça? Les 11 500 dollars, attendez, je vais voir. Ouais, les 11 500 dollars ici là. Ici, vous voyez, même peut-être un peu plus là. Ouais, non, 11 500 dollars. Avant que de casser définitivement ça et exploser en bull run. Vous voyez, la barre verte ici là. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, on a eu, ça a chuté, c'est remonté, ça a rechuté, bear market. Et donc, on y est. Et cette fois-ci, regardez, on a testé trois fois la barre des 37K. Apparemment, ils disent que... Ouais, des 37-130K. On est venu trois fois la tester. À peu près, hein, des grandes fois, là. Et donc là, au bout de trois fois, comme la fois passée, on avait testé trois fois avant d'être vraiment d'exploser. Bah, ici, on est venu les tester à nouveau trois fois. Et qu'est-ce qui nous attend? C'est une nouvelle barre verte, normalement. Si ça fait comme la dernière fois, là, bah, ici, ça nous emmènerait à peu près, hein, 170K. Si on va au plus haut, là, 170K de montée, là. Donc, voilà, l'histoire se répète peut-être. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le Bitcoin, certainement, d'ici 2025, ira à plus de 100K et on ira peut-être chercher les 170K. Donc voilà, hein. Moi je dis ça, les charts le montrent. Donc faut voir en tout cas. Donc voilà par rapport à ça, je vous rappelle que tous les tweets, je vais les retrouver sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez regarder tous ces charts et les étudier, tout ça là. Donc ici, un autre chart. Là, c'est Crypto Rover, bon, qui lui est... limite permaboule, donc quelqu'un qui est toujours haussier, qui est toujours optimiste, mais voilà. Lui, déjà, c'est le premier qui est en plus dans mon scénario. Si Bitcoin dépasse ce niveau, donc les 38K, donc les 37K, enfin la ligne des pointillés des 38K, donc ensuite, les 47 000 viennent. Et ça, je suis d'accord avec lui. Et là, actuellement, on a recassé en dessous des 38K. Donc là, normalement, il n'y a plus rien qui peut nous stopper jusqu'au 47K, d'après Crypto Rover, vous voyez. Donc, on verra. Attention, hein. Moi, quand je parle de ça, c'est pas, ça peut revenir à 37, voire 36 dans les prochaines heures. Hein. Moi, je ne parle pas en question d'heures. Je parle en question de jours et semaines, à peu près, quand je dis court terme. Donc, on peut, cette nuit, revenir à 37, 36. Mais en tout cas, d'ici la semaine prochaine ou dans deux semaines, trois semaines, pour moi, on ira casser les 40K. Vous voyez ? C'est pas que je ne veux pas mouiller, mais je ne veux pas parler à très court terme. Puisque à très court terme, on ne peut pas savoir. La volatilité, elle est tellement forte que je ne peux pas vous dire dans une heure ou dans deux heures qu'est-ce qui va passer. Qu'est-ce qui va se passer, vous voyez. Donc voilà, après, là ici, je monte des charts, j'essaie de mouiller, de donner des targets. Là, aujourd'hui, je vous dis que pour moi, ça va aller, ça va monter jusqu'à entre 42 et 48, ça va aller à 48. Mais c'est mon scénario, mais peut-être que je me trompe complètement. Hein. Faut pas prendre tout ce que je dis à la lettre. Hein. Et je ne suis pas conseiller en finance ou des choses comme ça. C'est juste une vidéo d'avis, de divertissement, et ça peut aussi revenir à 30K. Donc, n'investissez pas par rapport à mes paroles. Prenez mon avis, prenez l'avis des autres YouTubeurs, surtout des YouTubeurs anglophones, parce qu'ils ont l'esprit beaucoup plus large, ils couvrent beaucoup plus de choses, et après, vous faites votre avis. Mais basez-vous pas que sur
moi et mes charts que je vous présente ici là. Vous voyez? Donc l'histoire suggère que Bitcoin atteindra de nouveaux sommets historiques environ 200 jours après la réduction de moitié. Donc c'est toujours pareil. Ici, regardez, si on regarde dans sur le passé, on a la barre bleue là. Quand vous voyez le grand trait bleu vertical, c'est le halving. Et ensuite, 200 jours après le halving, qu'est-ce qu'on a? On a en fait les ronds orange que vous voyez là. Vous voyez? Et les ronds noirs que vous voyez ici. Et donc 200 jours après, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? On a un plus haut. Enfin, ouais, voilà, c'est 200. En fait, c'est le trait noir qui arrive en dessous là, qui arrive en haut. C'est en fait, c'est tout le, vous voyez le rectangle vert là. Bah, quand on arrive tout en haut là, du bull run là, ça c'est 200 jours après le halving. Et donc là, voilà, hein, c'est ça s'est constaté la première fois où on a passé 215 jours. Ensuite, la deuxième fois, au bout de 214 jours, on était au plus haut. Et ici là, normalement. Hein, si on rajoute 200 et quelques jours, 215 jours en moyenne, on sera normalement au plus haut à des 180 000, au plus haut là. Vous voyez ? Donc encore un chart qui montre qu'on irait dans les 170, 180K. Mais là, ici, il dirait que bah, c'est après le halving qu'on va vraiment casser comme les fois dernières. Vous voyez ? Donc on risque de monter encore, de ranger. Et là, dans le rond vert, quand on sera au niveau des 42K là, ça il parle de donc en on va dire peut-être vers mai par là, on sera toujours vers les 42K par là, mais je pense que moi on va monter au 48 voire 50, plutôt 48, corriger et ensuite ou ranger et dans les aux alentours des 40K pendant ouais quelques mois là, et ensuite ouais peut-être après le halving là ça va décoller et passer de 40 à plus de voilà 60-70K, revenir à la TH et casser tout ça. Donc ça, c'est des scénarios. Bon, c'est compliqué de prévoir le futur, mais c'est ce qui se dessine, on va dire. Donc au niveau du halving, on sera proche des 40K, hein, toujours là. Enfin, ils disent que là, le rond orange, là, ils disent qu'on sera à 48K. Donc c'est le scénario que je vois. Mais là, ils le voient d'ici le halving. Donc de toute façon, là, on se dirige hein, vers le rond orange, là. Mais d'ici le halving, ils disent qu'on sera à un sommet de 48K. Et ensuite, on va venir casser ça, casser lors du halving, corriger jusqu'au 42K et ensuite aller bien plus haut. Donc, de toute façon, on se dirige vers les 48K. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas demain ou dans une semaine. Ça peut être d'ici le halving, donc dans 3-4 mois. Oui, ça peut. Et voilà, on ne sait pas. Mais ça peut prendre du temps. Oui, ça peut prendre encore un mois, deux mois, ouais. Il va falloir être patient. Mais en tout cas, tout ça, c'est très bullish. Maintenant, c'est vrai qu'il nous faut des catalyseurs, comme les ETF, Bitcoin Spot, tout ça, pour arriver en tout cas à ces targets, on va dire. Donc voilà, pour le Bitcoin, c'est déjà très haut hein, quand on regarde ici. Mais regardez, si vous regardez le passé là, on a déjà fait... D'ici, regardez comment c'était rectiligne, comment on est monté. Ensuite, on a corrigé. Mais regardez les lignes droites très, très hautes. Donc là, ici, on fait un début de ligne droite là. Et c'est pour ça que moi, je vois aller jusqu'à 48 ici là, à peu près à cette zone. Vous voyez ? Pour moi, ce ne serait pas déconnant. Donc, on va voir ici là, vous voyez 48. C'est compliqué. Voilà. Moi, j'essaie de me donner des prix, mais voilà, moi pour moi c'est mon scénario à court terme, court moyen terme, je veux dire les 48K là, le target, on va dire. Donc voilà par rapport à ça. Alors où on en est, 23 minutes. Bon, quelques actualités. Après on en reste là. Sachez que c'est vrai qu'on on attend les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis parce que c'est les États-Unis qui drivent les marchés mondiaux. C'est là-bas que tout se passe. C'est la place de la finance mondiale, le centre en tout cas, l'épicentre. Mais il y a déjà des ETF sur les autres marchés. Mais on voilà, on prête pas attention. Par exemple, au Brésil, les ETF brésiliens ont désormais près de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. Donc, on a des ETF Bitcoin Spot sur les marchés, sur les autres marchés. Mais comme les marchés brésiliens n'ont pas d'impact au niveau mondial, on s'en importe que peu. Ça impacte pas trop. Peut-être le marché local, mais voilà, pas plus que ça. Bah, on calcule pas trop. Mais sachez que ça gonfle petit à petit. Donc, mine de rien. Bitcoin est en train de creuser son nid un peu partout dans le monde. Ici, au Brésil, avec les ETF Bitcoin Spot. Je rappelle que Bitcoin Spot, le mot spot, ça veut dire détenir des vrais Bitcoins. Ces deux ETF, c'est des trackers qui vont tracer le cours du Bitcoin. Mais l'émetteur est obligé d'avoir des vrais Bitcoins, d'acheter réellement du Bitcoin. Vous voyez ? Donc voilà, par rapport à ça,
Pour Ethereum, pareil, hein, on est dans une phase où on est sur le point de casser un breakout et d'aller beaucoup plus haut. Donc, comme pour Bitcoin, comme pour le Bitcoin qui doit aller pour moi à 48K, l'Ethereum, lui, doit aller pour moi aux 5K. Vous voyez ? Donc, on verra. L'Ethereum est aux alentours des 2000. Et en fait, moi, je vois bien Ethereum à 5000 sous peu, là. Donc, on verra. On verra pour Ethereum, ça monte assez. Qui parle de Ethereum parle de Vitalik Buterin. Et Vitalik Buterin qui met en garde face à l'IA. Vitalik Buterin prévient contre les avancées de l'intelligence artificielle. L'IA pourrait dépasser l'homme en tant qu'espèce supérieure. Donc, il met en garde. C'est vrai que l'IA progresse à une vitesse assez incroyable. Là, on s'apprête déjà. On est sur ChatGPT 4 et on s'approche de ChatGPT 5 qui arrive bientôt. Et c'est voilà, des milliards de paramètres. Aussi, voilà, y a des comptes là qui suivent les actualités de l'IA et c'est incroyable. Tout ce que je lis, c'est fou comment ça progresse à une vitesse. Et donc, après l'IA, là pour le moment, c'est des langages conversationnels, des chats, en fait, des choses comme ça. On n'en est que là. Ensuite, on va avoir pour les photos, les images. L'IA va nous aider à surtout. Mais ce qui s'en vient après, bah, en fait, c'est l'AGI, c'est-à-dire les robots humanoïdes qui vont faire les tâches à notre place, aidés par l'intelligence artificielle, mais ils vont même parler, les robots plus tard, ils vont pouvoir parler, tout ça, et tenir des conversations, faire des tâches à la place des humains. Et en fait, grâce à l'intelligence artificielle qui évolue à une vitesse assez folle, en fait, il se pourrait qu'ils deviennent plus intelligents que nous et qu'ils, peut-être ils arrivent à un moment où ils ont une conscience même. Et en fait, c'est le cas peut-être même chez, justement, OpenAI qui a créé ChatGPT, là, le célèbre langage conversationnel. Apparemment, Sam Altman avait été viré par rapport à le Q-Star, en fait, la lettre Q, qui représente peut-être une AGI qui développe en interne, donc un robot. Et même Sam Altman a dit, est-ce que c'est un robot qu'on a créé ou une créature, une limite vivante, en fait. Donc, il y a déjà ce type de robot qui est aussi intelligent que l'humain, mais c'est en cours de développement. Mais attention à ce que ça dépasse pas. Bon, après, là, peut-être on est dans la science-fiction, Terminator, tout ça, mais il va falloir surveiller tout ça. Parce que s'ils prennent une conscience et qu'ils se réveillent, qu'ils voilà, ils se rebellent, bon, après, ça, c'est dans les films, mais bon, il faudra surveiller ça. En tout cas, le dollar qui chute et qui, ça fait les affaires, encore une fois, du Bitcoin. Voilà un des catalyseurs qui peut aider le Bitcoin et ça aide les actions en bourse et tout ça. C'est que, voilà, ici, on a les Émirats Arabes Unis qui cessent officiellement d'utiliser le dollar pour le commerce de pétrole. Donc ça, c'est une grosse nouvelle. Hein. Donc la fin de l'ère pétro-dollar, là, on est sur la fin de tout ça. Et les pays du Golfe se tournent plus vers les BRICS et surtout le yuan chinois, les choses comme ça. Donc ça, à moyen-long terme, ça va plutôt avantager la Chine. Le dollar brûle et voilà, s'évapore petit à petit. Mais les Américains, de toute façon, ont déjà tout prévu. On est en train de basculer dans le Web 3, enfin les cryptos, enfin dans une nouvelle ère de monnaie. Et les Américains détiennent déjà le plus de Bitcoin et voilà, ils ont tout. Ils ont voilà, c'est leur fonds d'investissement, les BlackRock et tout ça qui détiennent l'avenir des crypto-monnaies. Donc les Américains sont déjà positionnés sur l'après. Faut pas s'inquiéter, ils contrôleront d'une manière ou d'une autre le monde. Voilà. Si c'est pas avec le dollar, ça serait avec peut-être les cryptos. Ils peuvent pas contrôler le Bitcoin, mais ils peuvent influencer en tout cas les cours ou voilà, manipuler en tout cas les gens. Donc c'est vrai que le dollar petit à petit perd de son terrain, mais déjà les pays sont très loin, enfin les États-Unis ont une très large avance, ça va être même dans plusieurs années, les États-Unis seront devant. Vous voyez ? Donc les dernières actualités, Solana Mad Labs, la collection devient la collection avec le volume de vente NFT. Vous voyez là, la plus grosse collection là, sur les 24 heures, c'est le plus gros volume de vente. Donc là, c'est une collection Solana. Et Solana incroyable, hein, qui arrête pas de se réinventer. Sachant que y avait deux grosses collections de Solana qui avaient migré, qui étaient sorties de Solana pour aller chez Ethereum et Polygon là. Et là, Solana trouve les ressources avec d'autres collections pour dominer le marché des NFT. Et là, Mad Lads est en train de tout exploser. Et même les célèbres Satoshi, là, la collection Sat, il y a même un token Sat pour la collection de Bitcoin. Bitcoin aussi est pas mal. Hein. Le réseau de Bitcoin, les ordinals, là, ça performe pas mal. Mais là, Solana explose tout. Hein.
incroyable avec cette collection. Donc, Mad Lads en tête des ventes hebdomadaires. Et voir là, même numéro 1 sur 24 heures. C'est cette collection-là de NFT là, que vous voyez à l'écran et qui explose tout. Hein. Donc là, ceux qui ont acheté là, ça pourrait potentiellement cela valoir plusieurs milliers, voire millions plus tard quand la hype des cryptos et les NFT vont revenir. Donc voilà. Et ça, c'est l'écosystème Solana. Pourquoi Solana? Yenli, très très simple d'utilisation, des frais très peu coûteux. Voilà. Et Solana, le vent en poupe, ça continue. Mad Labs, donc, qui fait un all-time assez incroyable. Donc là, record absolu. Et regardez ça, le cours, c'est... ils ont montré le cours des NFT Mad Labs. Ça explose. C'est vertical. Vous voyez? Donc, assez incroyable. Aussi, il y a une autre collection, Tensorian, qui est dans le top 10 aussi des top collections NFT. Donc, Mad Labs est numéro 1. Et Tensorian... et sixième, je pense, à l'heure actuelle. Donc, les collections Solana sont toujours sur le devant de la scène. Et Solana bénéficie. Solana a pris plus 5% sur la journée, là. Donc, et là, je pense que c'est parti pour aller bien plus haut. Le réseau est complètement en train d'exploser avec ces NFT et aussi ces mêmes coins. Là, on a KuCoin qui liste le Bonk, le même coin, la crypto blague, comme Dogecoin, Shiba, mais de l'écosystème Solana. Et le Bonk a beaucoup de fans. Hein. Le Bonk attire beaucoup. Et voilà, ça concerne essentiellement ou uniquement l'écosystème Solana. Donc, vous voyez ce logo-là, le Bonk, ça a l'air de bien marcher. Et donc, voilà, que ce soit les mêmes coins, la DeFi, les NFT, tout explose sur le réseau Solana. Son réseau est massivement utilisé. Et là, maintenant, mon opinion a changé, contrairement à l'année dernière, où j'avais des craintes sur Solana. Et je pensais une domination 100% d'Ethereum avec ses layers 2. Là, Solana, j'ai retrouvé à nouveau confiance presque quasiment à 100%. Et voilà. Et je pense que Solana sera l'un des dominants pour vous dire. J'ai même fait une vidéo pour vous dire que Solana peut même voir dépasser Ethereum. Si son côté friendly prend de l'avance, ça peut arriver. Donc, on verra en tout cas pour la suite. Donc, voilà par rapport à tout ça. N'oubliez pas aussi BSDC de Circle, le stablecoin de Circle, qui intègre pour quasiment de manière native le réseau Solana est en passe d'être adopté massivement au Japon. Donc au Japon, ils vont utiliser quasiment que de l'USDC. Oui. Et Circle, qui est derrière l'USDC, et SDI Holding confirment avoir noué un partenariat visant à propulser le développement des stablecoins dans l'archipel nippon. Donc vous voyez que les stablecoins feront partie de nos quotidiens. La question, c'est les stablecoins et le Bitcoin, il n'y a pas de doute. Mais avec quoi on va payer plus tard? Ça... Est-ce qu'on va faire des transferts monétaires avec le Ripple? Certainement. Mais voilà. Est-ce que les CBDC, les monnaies numériques des banques centrales, auront autant d'attrait que les stablecoins? C'est la question qu'on va se poser. Mais en tout cas, voilà. Pour ce qui est de l'USDC, il y a un célèbre, mais qui, vous voyez, c'est un stablecoin américain pourtant. Pourquoi ce n'est pas un stablecoin japonais qui domine, on va dire, ou qui en passe d'être massivement adopté au Japon? Vous voyez, c'est un stablecoin américain qui est en train d'envahir le Japon. Et c'est de là que je vous parle de l'avance des Américains. Même si le dollar meurt, voilà, ils vont mettre une CBDC, ils vont backer les stablecoins américains sur leur CBDC, et ils vont dominer avec ces stablecoins-là. Les Américains vont contrôler le monde. Sachant que Circle compte s'introduire en bourse. Donc, Circle va être très surveillé par le gouvernement américain. Et je vous dis, ils vont manipuler tout ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour les Américains en tout cas. Donc, voilà pour les actualités de la journée. J'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça. En tout cas, on se retrouve pour d'autres actualités. Hein. Force à nous. Hein. Allez, à plus.